gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Nous disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Et la paix du Seigneur soit notre partage, également les partages de tous les bien-aimés qui nous suivent via le média, également via le net. Et si vous voulez suivre de manière permanente, être informé de toutes nos activités, de nos, tous nos programmes, allez sur YouTube, sélectionnez Verbe Divin TV et abonnez-vous. Vous pourrez être constamment et de manière permanente informé de tous nos programmes Verbe Divin TV sur YouTube. Ne manquez pas de vous abonner. Gloire soit rendue à notre Seigneur. En ces jours, j'aimerais nous proposer trois textes de lecture. Le premier texte, nous les tirons du livre de Nombres, le 20e chapitre du 7e au 12e verset. Livre de Nombres, le 20e chapitre du 7e au 12e verset. Nous prendrons ensuite le psalmiste, les livres de Psaume, le 29e chapitre du 3e au 9e verset. Psaume chapitre 29. Du 3e au 9e verset. Et pour cette première partie de lecture, nous lirons l'évangile selon Matthieu, le 8e chapitre du 5e au 9e verset, puis nous lirons le 13e verset. Évangile selon Matthieu, le 8e chapitre du 5e au 9e verset, Matthieu 8, 5 à 9 et le 13e verset. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Si nous sommes ensemble, je peux lire le premier texte qui se trouve dans les livres de Nombres, dans le 20e chapitre, à partir du 7e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et le rocher donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main. Il frappa deux fois le rocher avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance. Et l'assemblée but. Et les bétails aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Psaume 29, du 3e au 9e. Verset, psaume 29 du 3e au 9e verset, la Bible dit, la voix de l'Éternel est retentie sur le zoo. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur le grand zoo. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme de veaux. Et les Libans et les Syriens comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts dans son palais. Tous ces cris, gloire. Évangile selon Matthieu dans le 8e chapitre du 5e au 9e verset puis le 13e, la Bible dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'abordant, les priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, je les guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, dis seulement une parole. » Et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, il va. À l'autre, viens.
il vient. Et à mon serviteur fait cela. Il le fait. Verset 13. Oui, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, en l'instant même, les serviteurs furent guéris. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Si tu crois en la véracité, la vérité de la parole du Seigneur, tu peux encore acclamer la parole du Seigneur. Le thème que je m'en vais nous proposer en ce jour est intitulé « Seigneur, dis seulement une parole. » Seigneur, dis seulement une parole. Dans le dernier texte de lecture que nous avons tiré de l'évangile selon Matthieu, c'est centenier qui est chef de sang qui aborde Jésus-Christ, qui est entré dans la ville de Capernaum, qui symbolise les désordres, l'anarchie, les troubles. Et il implore Christ, il dit, viens sauver mon serviteur qui est malade. Et Christ accepte, il dit, j'irai, je guérirai ton serviteur, je me déplacerai, je prendrai la direction de ta résidence pour venir guérir les serviteurs. Ce qui a étonné Christ, c'est la réponse du centenier. Christ s'adresse au centenier selon sa dimension visible et perceptible, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut percevoir. Le Christ est marchant sur terre et chair et de sang. Il dit, je me déplacerai. Le centenier dit, non, il n'est pas nécessaire parce que tu n'es pas que chair et sang. Tu n'es pas que visible. De là où tu es, ce que tu as en toi est une puissance, est un pouvoir. Le centenier dit, je reconnais en toi celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point. Je reconnais en toi le Dieu invisible est devenu visible parce qu'il a porté la chair. Mais cela n'en revient en sa divinité, ni en sa puissance. Je reconnais en toi celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est toi qui as créé toutes choses. Pour créer les eaux, les montagnes, les forêts. Tu n'as pas travaillé comme un maçon, comme un ajusteur, comme un menuisier qui prendrait du bois coupé avec des clous, faire une chaise, un tabouret. Toi, tu dis une chose et la chose s'accomplit. Pendant que les autres regardaient Christ comme étant, bien sûr, le roi dans la descendance de David, parce qu'il revêtit de chair et de sang. Mais lui regardait Christ comme étant Elohim, le créateur incréé, le Dieu qui existe par lui-même. Il dit, c'est Dieu-là pour créer la terre. Pas besoin de quelque chose sinon de sa parole. Si tu dis une parole, la chose va s'accomplir. Jésus voulait se déplacer dans sa dimension charnelle, mais le centenier dit, tu peux réaliser cela dans ta divinité sans qu'il faille que tu puisses te déplacer, sans qu'il faille que tu puisses imposer les mains. C'est une chose que beaucoup n'avaient pas compris en ce moment-là. Ils attendaient que Christ vienne. Même la sœur de Lazare avait dit à Jésus-Christ, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Comme si Dieu pouvait se circonscrire en un lieu. Pendant qu'il est omniprésent. Au même moment, il est présent partout. Et même quand Lazare était malade, Christ le voyait. Et même quand il s'est endormi, Christ le voyait. Mais Marie s'adressait à Jésus dans sa dimension perceptible, visible, saisissable. Mais ce centenier n'a pas utilisé cette dimension. Il dit, tu dis une chose et la chose s'accomplit. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour que cela s'accomplisse.
Parce que tu contrôles toutes choses. Ce que tu dis, c'est là, ça accompagne de l'accomplissement. Et Christ était étonné par cette révélation de ces centeniers qui étaient de la cohorte romaine, qui n'étaient pas hébreux, mais qui étaient centeniers de la cohorte romaine. Il dit, moi j'ai des supérieurs à moi, mais je dirige sans. Au niveau où je suis, j'ai dit, d'une certaine manière, j'ai le pouvoir de réaliser les choses par ma parole. Parce que quand j'ai dit à un serviteur, fais ceci, il le fait. J'ai dit, Alain, viens, ma parole a une puissance. Si moi, qui ne dirige qu'une centaine de personnes, a commis plus forte raison, toi qui par ta parole puissante avais tout créé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je ne suis pas digne. Et Jésus-Christ a été émerveillé. Pas par les discours, mais par la révélation du centenier qui avait compris qu'il était celui qui a créé toutes choses. La parole. Ces jours-là, à l'aurore, Pierre avait vu quelqu'un qui pouvait ressembler à un monstre, qui marchait sur les eaux. Et avec les autres disciples, ils avaient eu peur. Christ a dit non. N'aie pas peur, c'est moi. Et Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Donne l'ordre, parce que quand toi tu parles, je saurai. Parce que ce que tu dis s'accomplit. Même les eaux deviendront comme du ciment, comme du béton. Quand tu ordonnes, il dit, si c'est toi, parle seulement. Tu n'as pas besoin de t'approcher vers moi. Moi, je viendrai vers toi. Moi aussi, marcherai. Il dit, donne l'ordre. Alléluia. Et dans les textes de Nombres, Dieu confère sa qualité, sa puissance d'appeler à l'existence les choses qui n'existent point. Ils sont devant les rochers de Horeb. Et la postérité d'Abraham, les enfants d'Israël, avaient soif, ils avaient besoin d'eau. Dieu dit à Moïse et à Aaron, convoquez l'assemblée d'Israël, vous tiendrez devant le rocher. Il dit à Moïse, tu parleras au rocher. De la même manière, quand moi je parle, l'accomplissement s'ensuit. Je t'ai confère cette qualité-là, une portion de ma divinité. Toi aussi, tu feras comme moi, tu parleras. Il voudrait dire que pour accomplir des choses, ce n'est pas seulement avec les physiques qu'on réalise des choses. Si moi j'ai besoin d'une chaise, je vais travailler physiquement pour produire la chaise. Dieu n'a pas besoin d'utiliser la force physique. Si je veux déplacer une chaise, je pars où j'exerce la force. Et pendant longtemps, les gens étaient dans cette dimension physiologique. Et ils pensaient que Dieu pour agir. Il devait aussi être dans cette dimension physiologique. C'est ainsi que ces jours-là, Christ à la piscine de Bethesda va voir ses malades, malades depuis 38 ans. Il lui dit, veux-tu être guéri? Les malades restent dans une dimension physiologique. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'ange descend et agite l'eau. Il dit non, moi pour guérir, je n'ai pas besoin d'être là prudent quand l'ange viendra agiter, que je te jette. Non, je n'ai pas besoin de cela. Je suis le Verbe incarné, la parole faite chair. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point, comme si elles existaient déjà. Je peux même créer plusieurs piscines de Bethesda à l'instant.
Et pour chacun de vous, en aussi grand nombre que vous serez, pour que chacun soit guéri. Parce que son plan, c'est que tous parviennent à la rédemption, à la guérison et au salut. Qu'ils n'en perdent aucun. Il pouvait être à 500, il pouvait créer 500 piscines seulement à sa parole. Il demande à ses malades, veux-tu être guéri? Il lui dit, je n'ai personne. Il dit non. Je ne te présente pas comme celui qui va te prendre pour te jeter dans la piscine. Mais c'est lui qui a le pouvoir d'ordonner les choses et que les choses s'accomplissent. Et si tu crois que Christ a le pouvoir d'ordonner les choses, il ordonnera des choses dans ta vie et la chose s'accomplira. Il ordonnera, quel que soit le problème, quel que soit son degré, quelle que soit ta maladie, quelles que soient tes difficultés, il n'a pas besoin de matériaux pour construire. Seule sa parole suffit. Et ce jour-là, il parla à Moïse. Il dit, convoque l'assemblée et prends la verge. Toi et ton frère Aaron. Il dit, vous parlerez au rocher. Vous parlerez au rocher. Et le rocher donnera. Et l'homme, dans sa vision, il pense qu'il faut une force physique. Il faut peut-être que l'eau qui se cache dans le rocher pour sortir, il faudrait avoir un marteau pour fendre le rocher, afin que le rocher donne de l'eau. Dieu dit, tu parleras. Bien sûr, dans une histoire récente, il s'est retrouvé dans le désert. Cette fois-là, Dieu avait dit à Moïse, quand nous lisons Exode chapitre 17, dit, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Exode chapitre 17, le sixième verset. Il dit, tu frapperas le rocher. Cette fois-là, Dieu avait dit à Moïse, tu frapperas le rocher. Et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Il est dans la première dimension où Christ dit au centenier, j'irai chez toi. Parce que c'est une dimension physiologique, physique, visible, perceptible. Je me déplacerai jusque chez toi. Ça, c'était dans Exode, chapitre 17. Mais dans Nombre, il dit non. Afin que tu ne te trompes pas, tu risques de croire que pour que j'exerce un miracle, j'ai besoin d'une force. Je n'ai pas besoin d'une force. Ce qui importe, c'est seulement ma parole, elle est suffisante. Cette fois-ci, tu parleras. Et comme si le rocher avait des oreilles, il dit, tu parleras, le rocher t'entendra. Et le rocher donnera l'eau pour le peuple. La même histoire, nous allons y revenir un peu plus tard, des Pierre, ces jours-là, quand ils avaient pêché toute la nuit. Pierre n'avait rien attrapé. Christ vint et lui dit, jette le filet. Il pouvait lui dire, est-ce que tu as changé l'eau? Si c'est le même fleuve, si c'est la même rivière, nous y avons déjà cherché. Et nous n'avons pas changé de filet, ce sont le même filet. Nous n'avons pas changé de barque. Aussi d'une dimension charnelle, il pouvait dire, ce travail, nous le connaissons. Nous en avons l'expérience. Nous sommes nés dans ça. Nous avons toujours vécu dans ça. Et quand nous disons, il n'y a pas, personne ne pourra nous dire, il y a, parce que nous connaissons. Nous connaissons à quel moment pêcher, quel filet utiliser, et quel type de poisson on peut attraper. S'il n'était que humain, il allait dire, je ne le ferai pas. Mais la réponse de Pierre, c'est-à-dire quoi? En réalité, il n'y a rien. Mais comme toi, tu l'as dit, c'est qu'il y aura quelque chose. Parce que nous, on a cherché, on n'a rien. Bien aimé, quel que soit ton problème, quand Christ a parlé, on peut te dire, on n'engage pas. Christ a dit, va. Il dit, moi je sais qu'on n'engage pas.
mais sur ta parole. Parce que tu peux créer le travail là où il n'y en a pas. Tu peux créer une disponibilité sur la royauté quand la royauté elle-même était occupée. Comment Esther pouvait-elle devenir reine pendant que Vassi était là? Mais quand Dieu dit, vas-y, tu deviendras reine, ne te pose pas de questions. Dis, moi je sais, les conditions ne sont pas réunies. Mais comme toi tu l'as dit, je me saisis de ta parole, puisque c'est ta parole qui prononce cela. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu saisis le sens de cette pensée profonde, tu ne t'inquiéteras de rien. Tu dis, Seigneur, dis seulement une parole. Il n'aura qu'à dire, même ce qui n'existait pas, commencera à exister. Il dit, il peut transformer les déserts en verdure, faire pousser des arbres même dans les déserts, tracer des ruisseaux dans la solitude. C'est le même Dieu qui dit à la stérile, à la femme qui n'enfante pas, élargis l'espace de ta tente. Comment ces dieux pouvaient dire à Saraï qui était vieille, autour de 90 ans qu'elle va enfanter? La médecine dira impossible, irréalisable, insalamable, de choses comme ça ne sont jamais arrivées. Mais puisque celui qui a créé l'homme le dit, il est capable de régénérer le corps humain, le rendre de nouveau capable de concevoir, même s'il était doublement ménopausé, il peut régénérer le corps. Seigneur, dis seulement une parole. Cela suffit. Juste la parole de Dieu. C'est ainsi que le psalmiste dit, dans le psaume 29 que nous avons lu tout à l'heure, il dit la voix de l'Éternel, elle est puissante. La voix de l'Éternel, elle est majestueuse. Pour dire, c'est une voix royale. La voix de l'Éternel brise même les cèdres de Liban. C'était une image assez forte. Parce que les cèdres, on avait l'impression que les cèdres s'élevaient bien haut. Au point que ces cèdres ressemblaient à des arbres qui trônaient dans la forêt. Et il dit dans le verset 7, du psaume 29, il dit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Et
cause de la... Il dit, allez, lui dit. Et toi, suis ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. J'irai, je le guérirai. Dis non, Seigneur. Pour guérir mon serviteur, tu n'as pas besoin de lui imposer le mât. Ta parole, elle est puissante, elle est majestueuse. Ta parole suffit. Gloire soit rendue à notre Seigneur. J'aimerais rapidement commencer par poser les fondements de notre enseignement. Seigneur, dis seulement une parole. Je vais l'aborder rapidement en deux points. Je vais expliquer les contextes de cette portion des Écritures en expliquant rapidement deux concepts et aussi en donnant les objectifs que nous nous assignons. Et j'espère avec la grâce de Dieu que nous pourrons atteindre. Nous voudrons vraiment que Dieu nous accompagne afin que nous puissions atteindre ces objectifs. Les termes essentiels qui se trouvent dans cette portion des Écritures, c'est la parole. Seigneur, dis seulement une parole, dis seulement un mot. La parole, qui est cette faculté de communiquer la pensée par les langages. C'est comme si il y avait quelque chose dans un dépôt. Quand tu parles, tu ouvres le dépôt et ce qui était dedans sort. Si tu ne t'exprimes pas, ça reste comme une pensée. Pour que les gens puissent percevoir cela, tu dois t'exprimer. On dit c'est la langue. Mais d'autres aussi, quand tu parles, on dit c'est les débits. On peut te dire tu débites de mensonges. C'est les débits de ce qui sort en toi. C'est la déclamation comme les enfants le font avec leurs poèmes, comme les artistes le font. Mais aussi c'est l'expression. Sortir ce qui est en nous. L'extérioriser. Si je ne le fais pas, ça reste au-dedans de moi. Les centeniers voulaient dire, tu as une puissance en toi. Et fais sortir cette puissance, ça atteindra mon serviteur, quel que soit le lieu où il se trouve. En faisant sortir cette puissance-là, une femme avait utilisé une autre méthode pour faire sortir la puissance en Jésus-Christ. Cette femme qui avait la perte de sang se disait en elle-même, si seulement je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Jésus avait senti une puissance sortir de lui. Mais le centenier dit, dis seulement une parole, exprime-toi. C'est par la langue est puissante. La parole a une force. Et Dieu a créé le monde par sa parole. Alléluia. Dans Jacques chapitre 3, l'épître de Jacques, chapitre 3, à partir du verset 5, la Bible dit ceci. De même, la langue est un petit membre. D'autres même disent la bouche. On doit parler de l'expression. Mais elle se vante de grandes choses. Voici comme un feu peut embraser une grande forêt. Si vous prenez une allumette, une petite allumette, ça peut embraser toute une forêt. Le petit feu qui est allumé peut embraser une forêt. La langue aussi est un feu. J'aimerais nous interpeller, dire aux uns aux autres, surtout aux femmes. On va en parler, la puissance de la parole, la puissance de la langue. C'est une puissance créatrice. C'est ainsi que nous devons faire attention à tout ce que nous déclarons, à tout ce que nous confessons. Si tu confesses de ta bouche que yagoti kabatumusus, bon otikape batumusus. Mais si tu confesses que tu es vainqueur, tu es puissant. Comme ces jours-là, lorsque cet incirconcis appelé Goliath insultait l'armée de l'Éternel, tous les vaillants guerriers d'Israël reculaient. Ils se disaient les uns les autres, avez-vous vu ces géants? Il est venu pour jeter l'opprobre, la honte, l'humiliation sur Israël. Est-ce que vous l'avez vu? À sa seule vue, les enfants d'Israël tremblaient. Mais un petit va venir, tout confiant. Il pouvait dire que personne ne se décourage à cause de cette pensée. Il n'a pas confessé la défaite. Il a confessé la victoire. Il dit, j'irai. Moi, je les battrai.
Nous, les grands, il dit, c'est un guerrier depuis son enfant. Il dit, oui, moi, j'irai. Si David avait la crainte en lui, si aussi lui avait reculé, c'est ainsi qu'on s'y continuerait normalement à insulter l'armée de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Il y a quelqu'un qui comprend ces choses? La langue est un petit membre, la bouche. Il dit c'est le monde de l'iniquité. Parents, arrêtez d'insulter vos enfants. Quel parent pourrait-il dire à son enfant, yo bongati, tu es en train de confesser les négatifs sur la vie de ton enfant. La langue est placée parmi nos membres, suivant tout le corps. Suivant tout le corps. Enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la graine. Toutes les espèces de bêtes, des oiseaux, des reptiles, d'animaux marins sont domptables. Même les lions, on peut réussir à les dompter. Les chevaux, on peut les dompter. Les léopards, on peut les dompter, les contrôler, les dominer, l'assujettir. Et même ont été domptés par la nature humaine. L'apôtre Jacques l'affirme. Mais la langue, la bouche, ton expression, ce qui sort de toi, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Ce n'est pas seulement le couteau qui blesse, ni l'épée. Aussi ces paroles méchantes qui sortent de toi, qui blessent plus qu'un glaive. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, que ton nom soit loué. Ta grandeur est insondable. Ta seigneurie durera jamais. Mais par la même bouche, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Nous prenons la bouche pour exalter la grandeur de Dieu, proclamer sa magnificence. Mais nous prenons également la même bouche pour maudire, pour proclamer des faits répréhensibles. Par elle, nous maudissons les hommes à l'image de Dieu. Nous bénissons Dieu, mais par la même bouche, nous maudissons les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et Jacques dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La parole. Et Jacques de se poser la question, la source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Si votre bouche peut sortir de l'eau amère, garde alors pour de l'eau amère. Mais si elle peut sortir de l'eau bouche, alors reste dans les eaux douces. Il ne faut pas que la même source sorte de l'eau douce et de l'eau amère. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Nous sommes en train de parler de la parole. Que des nations qui sont entrés en guerre à cause des choses qui se sont dites, à cause des deux rois qui se sont chamaillés. La parole. Et savez-vous pourquoi Ananias et Saphira sont-ils morts?
à cause des paroles dites avec légèreté, la parole, possédant de biens qui étaient leur propriété privée, qui n'était en rien une propriété de l'Église. Quelqu'un dira, piqué je ne sais pas quelle mouche. Ils vont ensemble faire une déclaration et dire nous vendrons, nous amenons le produit intégral pour le donner, le déposer aux pieds des apôtres. Ils ont sorti quelque chose de leur bouche, ça devient un vœu qui est lié et n'est pas accompli, le rendait coupable. Mais ils auraient pu s'éteindre et ne rien faire. Au besoin vendre et garder tout le butin, c'était à eux. Mais dès lors qu'une parole insensée était sortie de leur bouche, parce que l'homme sera jugé de toutes les paroles insensées qui sortiront de sa bouche, ils sont devenus comptables de cela. On le leur imputa. Alléluia. Alléluia. Si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, ne promettez pas. Taisez-vous. Sinon, vous vous rendez coupable. Je ferai ceci, je ferai cela. Est-ce que vous le ferez réellement? C'est ainsi que Christ, lorsqu'il explique la loi qu'il était venu parfaire, dit, vous avez appris aux anciens qui vous a été dit, tu ne tueras pas. Il dit, mais moi je vous dis, c'est lui qui est son frère, qui déteste son frère, qui a en aversion son frère, qui n'aime pas son frère, qui souhaite sa chute, qui souhaite sa mort, sa dissolution, sa désintégration, sa perte. C'est déjà un meurtrier. Il ne devient pas meurtrier lorsqu'il accomplit son plan macabre. Mais dès lors qu'il a conçu ces plans-là, qu'il a en lui ce désir de voir la perte de son frère et de sa sœur, il est déjà meurtrier. Et il sera compté parmi les meurtriers. C'est ainsi que je vous dis, tous les sorciers sont des meurtriers. Ils ne deviennent pas meurtriers le jour où ils ont réussi leur plan. Ils sont déjà des natures de meurtriers, des assassins. Parce qu'ils désirent la perte de leur frère ou de leur sœur ou de leurs parents. Ce n'est pas le jour de l'accomplissement. Le Seigneur nous dit par la bouche du prophète Esaïe, dit, toute arme forgée contre toi. Mais l'arme n'est pas encore pointée contre moi. Non, quand on est en train de la prêter déjà, ce n'est pas le jour où on va l'amener pour me détruire. Non, quand on la prête, c'est déjà au niveau de l'intention. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. La parole. C'est-à-dire que lorsque le conseil des méchants, des injustes, des devins, des sorciers se réunissent, et qui sont en train de concevoir leur plan de malédiction pour détruire ta vie, sont déjà de meurtriers. Parce que ce qu'ils ont confessé contre toi constitue un meurtre. Même s'ils n'arrivaient pas à les mettre en exécution, ils seront imputés, comptés comme de meurtriers. Et d'ailleurs, chez les juristes, ce qui compte le plus important, c'est l'intention. Est-ce qu'il y avait l'intention de nuire? Et lorsque l'intention de nuire est démontrée, même si tu n'arrives pas à tes fins, mais l'intention, un bandit entre chez toi armé, il cherche à tenter à ta vie, il tire, tu échappes, tu fuis, l'intention de nuire est là. Il ne va pas dire, bon, je voulais bien les tuer, mais je n'ai pas réussi, et donc je n'ai rien fait. La parole, et qu'on fasse attention. Le deuxième terme, c'est le verbe dire. Les centeniers ajoutent le verbe dire, parce que la parole, Christ lui-même déjà, c'est la parole. Il dit, fais sortir ce qu'il y a au-dedans de toi,
afin que ce qui était invisible devienne visible. C'est ainsi la foi. Cette capacité de prendre deux choses invisibles dans le monde invisible et les amener dans le monde visible. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. La chose n'est pas créée quand on s'exprime. La chose existait. Mais ce qui fait, c'est seulement démontrer la chose. C'est ainsi que Christ, devant la tombe de Lazare, dit: Père, je ne prie pas pour moi, pour ceux qui sont là, afin qu'ils entendent et qu'ils comprennent. Moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Si je parle, c'est pour eux. Et qu'est-ce qu'il va faire d'une voix forte? Il cria: Lazare, sort! Mais comment le tombeau s'est ouvert? La Bible dit: Lazare sortit. Et même humainement parlant, même si Lazare était enfermé vivant, après 4 jours sans manger, il devait s'affaiblir. Mais comment il a fait pour trouver des ressources pour ouvrir le tombeau? Ce n'est pas Lazare. C'est la force, la puissance qui était dans la parole de celui qui a parlé. Quand Pierre était en train de pêcher, même là où il n'y avait pas de poissons, parce que Christ a parlé, les poissons de là où ils étaient, ils s'invitaient pour venir en ces lieux. Et il transforme l'environnement et la nature par sa parole puissante. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Dire, c'est produire à l'aide de sa voix et de sa bouche des éléments signifiant d'une langage. Des éléments signifiant d'une langue, pardon. Produire des éléments de langage. C'est quand je le dis que les gens comprennent. Mais si je ne le dis pas, personne ne me comprendra. D'autres disent même pousser ou sortir de sa bouche. Ou extérioriser, ou exprimer, ou émettre. L'autre même dit qu'on peut lâcher les mots. C'est à ce moment-là que nous comprenons. Mais si j'ai quelque chose en moi, je ne le dis pas, les communs des mortels ne pourra pas comprendre. Pour comprendre ce qu'il y a, il faut que je l'exprime. Et les centenaires voulaient dire que cette puissance qui se trouve en toi puisse prendre les choses dans le monde invisible pour les amener dans le monde visible. C'est que l'épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, le premier verset, dit: une démonstration de celles, des choses qu'on ne voit pas. À partir de la parole, je démontre des choses que les gens ne voyaient pas. La parole est puissante. La parole est majestueuse. La parole produit à l'aide de la voix ou de sa bouche. Un texte que nous avons déjà parlé, qui se trouve dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 37. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37, dit: qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Il voudrait dire ceci: tout le monde peut dire de choses. Mais tout le monde n'a pas la capacité de faire advenir ce qu'ils disent. Je peux dire que le soleil s'arrête. Est-ce que j'ai cette capacité de faire advenir ce que je dis? Il faut que je sois en symbiose, en connexion parfaite avec Dieu, de sorte que quand moi je parle, ça devienne Dieu qui a parlé. Quand Moïse parlait, c'est Dieu qui parlait au travers de la bouche de Moïse. C'est ainsi qu'il dit: j'ai fait de toi Dieu et on sera comme ton prophète. Pour que des choses que tu prononces s'accomplissent, que ça doit avoir la même puissance que la parole de Dieu. Doit contenir les mêmes vertus que la parole de Dieu. Comme Dieu avait demandé à Moïse, dit: tu parleras au rocher. Il avait conféré cette prérogative, cette puissance à Moïse de parler afin que par sa bouche, des choses
s'accomplissent. Et si tu es en connexion parfaite avec Dieu, quand tu parles, c'est Dieu. C'est ainsi qu'avec les ministères prophétiques, Dieu s'est servi des hommes pour parler aux hommes. Des hommes qu'on a appelés des prophètes. Quand Dieu parlait directement aux enfants d'Israël, ils entendaient des tonnerres, ils ont tremblé. Ils ont dit à Moïse, non, que Dieu te parle et que toi tu viennes nous parler. Nous, nous avons peur. Parce qu'ils voyaient des montagnes en feu. Ils entendaient des tonnerres. Ils ont eu peur. Dis toi, il te parle, toi tu viens nous parler. Et quand Moïse parlait à Pharaon, il parlait comme Dieu. Il dit, laisse partir mon peuple. Dieu avait mis en Moïse ses paroles. Laisse partir mon peuple. Alléluia. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné, sans que le Seigneur ne l'ait ordonné, sans que l'Élohim ne l'ait ordonné. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Quels sont les objectifs rapidement? Nous enseigner, avouer à moi-même, à discerner. De comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. De comprendre quand Dieu a parlé. Parce qu'il y a des gens qui ont des oracles menteurs. Disant Dieu nous a parlé, Dieu ne les a point parlé. Disant Dieu nous a envoyé, Dieu ne les a pas envoyés. Ils annoncent des choses, espérant que ces choses vont s'accomplir. Des oracles menteurs. Et les prophètes, Jérémie en parle souvent. Dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible nous parle de ces jeunes serviteurs Samuel qui étaient au pied du sacrificateur Élie. Sa maman Anne l'avait déposé près du sacrificateur Élie et il exerçait les services du temple. Et la Bible dit, les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. 1 Samuel chapitre 3, à partir du premier verset. La Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en ces temps et les visions n'étaient pas fréquentes. Car la parole est rare, comment discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Devant ces choses rarissimes. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Que celui qui est déjà perdu et égaré qui montre le doigt. Que celui qui est égaré qui montre le doigt. Alléluia. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans les temples de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alléluia. Il faut bien comprendre cette portion des Écritures. Ça ne veut pas dire forcément que Samuel était couché dans les saints des saints. Mais il était dans le temple, lequel temple contenait l'arche de l'Éternel. On pouvait avoir un autre temple, on pouvait avoir des synagogues où ne se trouvait pas l'arche de l'Éternel. On n'a pas dit que Samuel dormait dans le saint des saints. Ou dans le lieu très saint. Mais dans le temple où était l'arche de l'Éternel. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. Samuel n'avait pas le discernement de la parole de Dieu. Et Samuel courut vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répond, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel s'éleva et alla vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. La Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore la parole de l'Éternel, ne lui avait pas encore été révélée. Il était dans le temple, mais il ne connaissait pas. Ce n'est pas le fait qu'il ait été au temple qui conférait connaissance. Il devait être révélé.
C'est appelé que les sacrificateurs. Et il dira, non, ce n'est pas moi. Prochainement, lorsque tu entendras, réponds, me voici. Dis pas moi, mais tu vas t'adresser à Elohim, à El Elyon, à ton Père. Alléluia. Il était important qu'il ait le discernement. S'il n'avait pas reçu le discernement, il n'allait pas recevoir ces messages et cette parole de connaissance. Révélation vers lui, la parole de connaissance. Discerner. Et dans ce moment où nous entendons tellement de choses, les uns diront j'ai eu un songe, les autres une révélation. Être capable de discerner. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Le deuxième objectif, encourager. Nous encourager. Les uns et les autres, nous encourager. Nous encourager à choisir la bonne part. Des fois, nous oublions l'essentiel. Et nous choisissons ce qui est accessoire. Nous restons dans la forme, sans voir le fond. Dans Luc chapitre 10, verset 38, la Bible nous dit, Luc chapitre 10, verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Ça fait deux tableaux de dimensions différentes, Marthe et Marie. Lorsque Marie voit Christ, il voit la parole incarnée. Lorsque Marthe voit Christ, il voit quelqu'un qui a des besoins, qui peut manger, qui peut boire. Marthe reste dans la dimension charnelle de ce qui est perceptible, de ce qu'on peut toucher. Pendant que Marie est dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est profitable, qu'est-ce qui est avantageux. Seigneur, il dit seulement une parole. Il dit, mais moi, à ma CA ici, j'aurai cette grâce, cette faveur d'entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as dit pour ma vie? Tu as besoin d'entendre Dieu dire. Pour mon travail, Seigneur, dit. Pour mon pays, Seigneur, dit une chose. Pour mon église, Seigneur, dit une chose. Pour mon lendemain, dit une chose. Comme Jésus était en chemin, Marthe et Marie les reçut. La Bible dit, Marie était assise auprès du Seigneur et écoutait sa parole. Mais Marthe, occupée à des soins domestiques, survint. D'autres disent même avec l'air indigné, désemparé. Et le ton que Marthe utilise, c'est un ton de quelqu'un qui gronde. Dit Seigneur, cela ne te fait rien. Cela ne te fait rien. Seigneur, ça ne te fait rien. Que ma soeur m'est le seul pour servir. Et toi, tu es là et tu regardes. Impassible, ça ne te dit rien. Elle me laisse, elle est là. Pour dire, elle est en train de fainéanter. Moi, je suis actif, je travaille. Et je travaille pour quelle nourriture? Pour ce qui est charnel. Mais Marie avait choisi la bonne part. Et ce qui est assez curieux, Marthe ne s'adresse même pas à Marie. Marthe s'adresse à Jésus. Dis-lui. Dis-lui. Dis-lui.
j'ai pas. Qu'elle me suive, qu'elle vienne m'aider. Moi, je ne lui adresse même pas la parole. Dis-lui. Le Seigneur lui dit, il répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Une chose est nécessaire, c'est la parole. Marie était assise, elle écoutait la parole. Quelle est la chose qui est nécessaire? C'est la parole. Cette chose qui ne lui sera jamais ôtée, que la corrosion l'atteigne, ne pourra jamais atteindre, ni la rouille. Une chose qui ne pourra jamais se rouiller au travers le temps et les années. Est-ce qu'on peut se tenir debout encore au moment dans la prière? Tenons-nous debout encore au moment. Est-ce que Dieu a déjà déclaré quelque chose pour ta vie? Est-ce que tu es détenteur de promesses de Dieu? Est-ce que tu as pris possession des promesses qui se trouvent dans la Bible? Est-ce que tu y as une part dans les promesses de Dieu? Est-ce qu'en ce moment, ensemble, est-ce que nous ne pouvons pas invoquer Dieu? Comme l'avait dit ces jours-là, les centeniers de la cohorte romaine, Seigneur, dit seulement une parole. Quel est ton problème qui te tracasse en ce moment? Serait-ce les loyers que tu n'as pas encore payés? Serait-ce la maladie qui sévit dans ta famille? Serait-ce la faim, la disette, le chômage, la stérilité, le manque, le doute? Qu'est-ce que tu as comme problème? Si tu as la foi qu'avaient ces centeniers de la cohorte romaine, tu peux dire, Seigneur, dis seulement une parole. Comment peux-tu étudier et toujours tes côtes disparaissent? Au moment de la délibération, dis, tu es convoqué. Tu te demandes comment, quand c'est mon tour, cela devient compliqué. Quand c'est le tour des autres, ça paraît si facile, si aisé, si simple. Comment est-ce possible? Quel est ton problème? Dis-le à ton Seigneur. Exprime-toi comme ce jour-là, les centeniers de la cohorte romaine. Exprime-toi librement devant ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, dis seulement une parole.